C'est les fleurs pour Dorothée. Voilà, c'est ça. On va essayer de mettre dans la voiture. Elle est belle, ta doudoune. Alors apparemment, tu connais tout le monde, là. Vous êtes liés par Dorothée ou... Tout à fait. Bah, c'est l'ensemble du forum de cherdorothée.com qui s'est déplacé pour faire plaisir à Dorothée, pour la soutenir. Nouvel album, nouvelle chanson, nouveau spectacle à l'Olympia. Il y a Roubaix également qui arrive. Et ben, on va venir l'applaudir. Elle sait qu'elle peut compter sur nous. Ça ne s'explique pas, elle-même ne l'explique pas, donc nous je pense qu'on n'est pas en mesure de l'expliquer non plus. Enfin, il y a une ferveur parce qu'elle a bercé l'enfance d'énormément d'enfants et d'adolescents. Je pense que c'est lié à ça, parce que elle a été liée au petit écran pendant tellement d'années. Elle fait partie du paysage télévisuel français, elle fait partie de l'histoire de la télévision, de la chanson française aussi, voilà. Oh bah elle le sait, hein. Elle te connaît, personnellement. Ah ben oui, bien sûr, mais oui, elle sait qu'on l'aime beaucoup, et voilà. Il y a une fidélité, je veux dire, comme un cordon qui est relié entre les fans, le public et elle. D'accord. Ça s'explique pas, c'est au-delà de l'artistique et de tout ce qu'elle a fait, c'est vraiment, elle fait partie un petit peu des gens, de l'esprit des gens et de la mémoire, voilà. Elle était malade. Bon, non, pas pourquoi. D'accord. Non, elle va très bien. Okay. Il suffit juste de lui demander. D'accord. Allez, la doudoune fluo. Alors, t'es là pour Tokyo Hotel? Pour Dorothée. Pour? Pour Dorothée. Ah oui. Tu t'appelles comment? David. Tu as de très beaux yeux, David. C'est gentil. Tu es fan de Dorothée? Depuis, quand même un bon petit moment, depuis, oui, plus de 20 ans déjà. Elle te fait vibrer? Elle m'a apporté beaucoup de bonheur quand j'étais plus jeune, comme à beaucoup de gens en fait. Pour moi, Mécanée Bonheur, c'est les Mécanées Dorothée. D'accord. Elle a été un refuge pour moi pendant toute ma période où j'étais enfant et ado. D'ailleurs, je suis venu de très loin pour elle. Je viens de l'île Maurice. Wow. Donc, je viens de l'île Maurice. Voilà, tout à fait. Je suis là jusqu'à l'Olympia, jusqu'au mois d'avril. J'ai pu la voir en 92 quand elle était venue à l'île Maurice en concret, en 93. Et là, je vais accepter un retour que moi, j'y croyais plus. Donc, je suis quand même très heureux. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Je l'ai vu en concret, mais je ne l'ai pas rencontré, non. L'opine? Non, parce que nous, on se rappelle des beaux moments qu'elle nous a donnés. Elle ne triche pas, et des gens qui ne trichent pas, il n'y en a pas beaucoup en 2010. Donc moi je suis fier, je fais partie de la génération Dorothée. Elle m'a donné des valeurs que je n'aurais peut-être pas eues aujourd'hui. Comme tenter d'être vrai, essayer d'être vrai et généreux. Je l'ai appris avec Dorothée. Moi Dorothée c'est la femme que j'aime avant tout. Avant la chanteuse, avant l'animatrice, c'est la femme que j'aime. Je suis fan de Lara Fabian, je suis allé la voir en concert mais je vais pas pleurer en la voyant. J'aime l'artiste, mais Dorothée, c'est la femme que j'aime. C'est la femme qui m'a apporté beaucoup de bonheur. Donc oui, non, c'est beaucoup plus qu'une chanteuse, beaucoup plus qu'une idole. C'est une autre maman, une amie. Je suis venu de l'île Maurice pour toi et qu'on ne t'a pas oublié. Ça fait plus de 20 ans que tu es venu chez nous. J'avais quoi, 8 ans peut-être à l'époque. Et bien aujourd'hui, je reviens pour ton retour. Et on t'aime. Merci David. J'écris des nouvelles pour jeunes et comme elle à travers des chansons m'a quand même apporté du bonheur et du rêve, moi je le fais à travers l'écriture. Elle m'a fait découvrir les mangas, d'où voilà. Et donc j'aimerais quand même à ma manière peut-être lui montrer que grâce à elle j'ai trouvé ma voix et donc je lui ai apporté un incomplet de ma nouvelle. Président? Lequel? Quel président? Oui, vas-y. Est-ce que quelqu'un peut la prendre, s'il vous plaît? Juste appuyer sur la roulette. Ok, j'appuie sur la roulette. Oui, allez, la roulette. Soyez, messieurs, d'être sur la photo. Dorothée Superstar. Je suis en train de tomber, là. Et batterie.
Allez, goodbye Dorothée. Ciao. Bye bye Dorothée, Dorothée. Bon courage pour la suite, Dorothée. Bon courage! On t'aime Dorothée! Monsieur Azoulay? Dorothée! Bravo! Alors c'était comment Dorothée? Ah c'était génial! C'était comment Dorothée? C'était génial! C'était comment Dorothée? Très bien, très très bien! Alors c'était comment Dorothée? Vous l'avez vu? Ouais, c'était merveilleux! Elle est géniale! C'était comment Dorothée? Très très bien! Ouais? Ouais! C'est chaud comme il y a 20 ans? C'est pareil! Alors, t'as réussi à lui donner photo avec tes amis. Oui, oui, d'accord. Et je suis heureux. Je suis heureux. Vous avez passé une belle après-midi? Très, très belle. Magnifique. On était émus. On a voyagé dans le temps et elle est pareille. Elle n'a pas changé. Elle est pétillante. Elle est rayonnante. Plus belle que jamais. Vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. Et on attend son retour. D'accord. Il vient de Belgique. Donc, comme quoi, tout le monde est venu de très loin. Très bien, super. C'était un vieux rêve de gosse qui se réalise et comme quoi ça se réalise pas forcément quand on l'attend mais 20 ans plus tard donc voilà, faut toujours garder l'espoir. C'était comment Dorothée? Vas-y. C'était comment? Très bien, très bien. Génial. Extraordinaire. Non, c'est toujours la même. Super belle, très heureuse. Okay. C'est juste trop une star. Dorothée, c'est votre star, c'est votre sœur, c'est votre confidente, c'est votre mère c'est adoptive. Pour nous. Voilà, c'est une deuxième maman pour nous. Voilà. Une quoi? Une deuxième maman pour nous. Merci beaucoup. Et vous? Vous avez aimé le show? Adoré. Vraiment? Oui, magnifique. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus chez elle? Elle vieillit pas en fait. Elle est de plus en plus belle. Ouais. C'est vrai, ouais. Deuxième maman en fait. D'accord, merci beaucoup. C'était génial. Et vous? Fabuleux. Je dirais impeccable. Super. Merci beaucoup. C'était comment Dorothée? C'était génial. Et vous? Fabuleux. Je dirais impeccable. Super. Merci beaucoup.